Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet 2 avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on se retrouve juste après notre prise d'Arias Major. On avait un niveau à prendre, alors qu'est-ce qu'on peut prendre de beau? Réduire le temps de réactivation de poussée, ouais, pourquoi pas. Tant que le vaisseau a moins de 50% de ses points de coque, il laisse derrière lui une traînée qui inflige 25 dégâts par seconde au vaisseau ennemi. Bah, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, et puis on a plutôt tendance à les poursuivre les ennemis qu'à, ouais, qu'à les laisser c'est... derrière nous, quoi. Donc, sinon on a quoi? Le vaisseau est en mode furtif tant qu'il ne bouge pas sur les escorteurs. Ouais, ok, bof. Ouais, on n'est pas encore bon au temps des embuscades. Alors, augmenter les... améliorer les champs de sport. Ouais. Je regarde un peu les trucs, hein. Les vaisseaux ruches obtiennent l'aptitude contrôle synaptique. Donc ça blinde le moral, mais alors faut des vaisseaux ruches. Tant dire que voilà. Infiltration tyrannide qui agit comme une frappe éclair, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. En fait, les trois armements sont pas mal. Je pense dans les prochains points, on ira peut-être chercher dans les. Ouais. Les armements. Note que celui de corps qui met 20 points de blindage contre les torpilles bombardiers. Parce que les bombardiers parfois ils font super mal. Ouais, bon, on a vu, hein, la dernière fois c'est ça qui m'a buté quand j'essayais de fuir la forteresse. Hein. Juste avec ses bombardiers il m'a buté quoi. Ouais, il s'est piqué un peu quoi. Après on n'a pas vu beaucoup de torpilles par contre. Non, pas encore. Bon, le rechargement dans les nébuleuses et les champs d'astéroïdes, on joue pas trop avec donc. Ouais, je pense que l'engeance de Lictor serait pas mal, hein. Ça nous permettrait peut-être de mettre encore plus de pression. Après, si on peut, je sais pas si on pourra faire ce truc-là plus des assauts, si c'est pas l'un ou l'autre du coup. Sinon on prend le blindage, amélioration des muqueuses. Ouais, allez. On peut clôturer ça, mais je pense qu'après l'armement il faudra quand même... Ouais, il faudra qu'on s'y intéresse. Parce que sur le late game, l'armement, quand tu regardes, augmente de 4500 unités la portée des armes à bioplasma. Bon. Ah, disons que pour l'instant, on s'est pas trop spécialisé soit en bioplasma, soit en pyroacide, mais ça pourra être intéressant de se choisir un truc du coup. Ouais. Les coups critiques des armes pyroacides infligent un dégât de troupe. Oh, oh la vache! Ah, la violence! Ok, bon bah de toute façon là, cette flotte là, faut qu'elle se répare. Donc pas de stress. Avec le blé qu'on a, non, on avait dit qu'on avait plus de points de flotte ici, qu'on pouvait plus recruter. Par contre, on peut recruter éventuellement un Nemesis Tessera. Mais on avait déjà rempli nos flottes avec des petits escorteurs, donc pas la peine de faire mieux. Bon bah on va pouvoir attendre les Eldar je pense hein. Ouais c'est pas Coronas. Shimalmas. Shimalmas, ouais. Wop. Allez. Hop, c'est parti. L'Imperium, mais je crois qu'elle bougera pas de la planète. Non, elle a pas assez de... C'est pas assez élevé pour l'instant. Ok, une flotte. On se la fait ou on la fait en combat auto celle-là? Comme tu veux, c'est toi qui vois. Si tu veux tester le combat auto, tu peux tester le combat auto. Ouais, je vais tester le combat auto pour voir, parce que au final, là, quand même, c'est pas... Non, merde, annulé, auto. Ok, faut que je confirme, très bien. Combat auto. Alors, comment ça s'est passé? Bah, on les a défoncés, quoi. On a défoncé, moi j'ai rien perdu. Non, bah pareil. La dent carrier a pris un peu cher, mais par ça... Ouais. Même les drones, ils ont... Ouais, donc c'est très bien. Bon, par contre la renommée c'est pas ouf quoi. Mais en même temps vu ce qu'il y avait en face hein... Oh. Oh la vache, ça ne se finira jamais. Bon, en même temps je pense qu'on va terminer avant qu'ils arrivent, on aura terminé cette phase de la campagne. Ouais, okay. Ouais, on est passé en urgence 1 donc faut éviter de... Ouais, faut qu'on y aille quoi. Bah, on peut... Elles ont pris cher les flottes. Bah ouais, mais on a complètement les moyens de te refaire. Hein. Ah ouais, mais par contre, on a qu'un point de...
Même, je veux dire, t'as juste la dent carrière qui a pris un peu cher. Ah oui, sur les autres, oui, pardon. Genre le reste. Genre, allez. Ah, il y aura Bref, largement le temps de se réparer d'ici que les orques même arrivent. la première flotte, tu peux déjà l'envoyer au-dessus, hein, sans aucun problème. Celle à 599, là. Ouais. Elle a pris aucun dégât. Et l'autre, on peut la laisser un tour. On laisse un tour au goulag et c'est bon. Je peux pas avancer. Hein. C'est trop loin, c'est ça? Ok, c'est trop loin, d'accord. Bon, ce qui est presque dommage du coup, c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de points de flotte dans ce système pour faire des vaisseaux, mais bon. Tant pis. Voilà. Bah, j'aurais bien voulu renforcer un peu la flotte à 306 là, qui a bien souffert. Mais je peux juste prendre un escorteur quoi. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, tu me diras. Mais... Je sais pas si tu veux porter le combat chez au chaos ou pas. Bah, ouais, c'est pour ça, j'aurais bien voulu réembaucher quelques vaisseaux et y aller. Après, même Après. là, on est assez fort, hein, si on évite la forteresse. Ouais, c'est vrai que si on est de la forteresse, Il y a ça déjà se tente. quoi? Il y a déjà réduit la bravoure, il s'ouvre une pénalité de 10% de réussite à un critique, les points de coque des défenses ennemies dans le système sont réduits de 50%, ouais, globalement. Ah, d'ailleurs, avec le signal du patriarche, on aurait pu envoyer directement une flotte là d'ailleurs. J'y ai pas pensé. Bah alors on peut attendre un tour. Parce que de toute façon, on peut envoyer que deux flottes là. Ouais. Tu peux. Attends, 1, 2, merde, ouais. Tu peux limite envoyer celle à 306 sur la bise de calotte qui repassera sur Nemesis Tessera pour se reconstruire. Laisser la flotte de 603 sur place. Et au tour prochain, on l'envoie sur Tempête Accablante et on transfère ta flotte dans La l'armement. flotte qui est en bas, ouais. Ouais, non, ça me va. Je pense que ce serait le plus. On peut même gagner un tour, je pense, en refaisant la flotte qui était à Médusa, là. Et en l'envoyant directement, du coup. Directement sur Tempête Accablante. Médusa, Médusa, Médusa. Celle qui a Odissar. La flotte avec le Spyeuvre et le Petit Dard. On avait un Razorfield. Celle-là, elle devait rester sur place pour. Bah, elle doit rester là pour prendre 80, mais on peut tout à fait recruter une petite flotte de merde avec C'est vrai juste un qu'on en a une vaisseau de quoi. plus. C'est vrai qu'on en a une de plus, Ouais, tu maintenant peux qu'on en commencer a à une. la Hein. bouger, quoi. C'est pour ça. Parce que ça, à la base, ça c'était ma flotte principale. Hein. Elle a pris cher lors du combat contre les Eldar, mais est totalement à même de se faire de revenir au combat quoi. Je lui prends un autre croiseur de combat. Je vais prendre celui-là, tiens. Et puis je peux prendre un petit escorteur. Ah ouais, non, ça c'est trop. 40, un truc à 40. Ça fait 39. Un petit Kraken griffu. Ouais, bouf. J'aime bien les Vanguard. Je prends un Vanguard. Hop, voilà. Du coup, on recrute une flotte. Bah, on a plus qu'un seul. On a plus qu'un seul amiral. Donc, eh ben, on va recruter lui par exemple. Donc, toi, on t'envoie directement. Ici. Hop là. On prend l'autre, on l'envoie ici. Ici, voilà. Et on est bien, je pense, pour leur défoncer la tronche. Hein. Ouais. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté du chaos, on va la jouer. Alors, ordre de déploiement. On peut envoyer quasiment tout le monde en plus, putain, c'est la teuf quoi. Par contre, on n'a pas de biogriffus hein, dans cette flotte du tout. Hein. Non, aucun biogriffus. Hélas. Hélas. Hélas, et eh ben écoute. Bataille.
Ok. Fond d'écran sympa. Ouais, l'espèce de bâtiment Eldar là. Ouais. T'as de la gueule. Avec les belles volutes bleues. Alors du coup, comment on se répartit cette flotte? Donc on a un vaisseau amiral avec une sonde et un bouclier, et un vaisseau amiral avec un bouclier et un boulet. Je vais te filer le boulet. Je sais que t'aimes bien le boulet. Là on a des tentacules, et là on a juste de l'assaut. Je vais te filer l'assaut. Et après les escorteurs, bioplasma, drone, corrosif. Bon, écoute, on va se les répartir comme ça. Merde. Hop et hop. Ok, alors voilà, ça c'est fait. À quoi ressemble la map du coup? On n'a pas de points cette fois, ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir éviter la forteresse assez facilement. Ouais. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas, ok. Alors, ils sont tous en tas sur la droite, donc on va se battre à gauche du coup. Tous les trucs, ils ont des tranches différentes, c'est assez sympa quand même. Je crois que c'est la première fois que je la vois, la forteresse KO. Elle ressemble bien à une forteresse Imperium corrompue. Ouais. Bon bah, battons-nous à gauche. J'ai envie de dire... Je suis. En face, ça c'est un obstacle, donc faudra faire gaffe, sinon... Y a pas mal de débris au milieu, mais qui font pas de... rien de particulier. Je vais me faufiler à gauche de la structure spatiale, la première, pour aller vers le champ d'astéroïdes. Ok. Quand tout veut, du coup. Hop. Ouais, faut encore que... Bon, allez. On va faire style, on fait un peu de stratégie, on fait des mouvements de flanc et tout. Bon, ils viennent en ligne droite, donc je pense que je vais leur envoyer une spore. Voilà. Faut gaffe qu'ils ont une grande portée aussi, le cas. Ouais, ils ont une grande portée, je sais. Mais bon, ils sont quand même vachement moins. Disons qu'ils ont pas la possibilité de faire brutalement demi-tour en se pseudo-téléportant sur place, quoi, pour se barrer. Ouais, ça. Ce débris spatial est super classe, quoi. Faut avouer. Je sais pas c'est quoi les espèces de petits trucs bleus dedans, mais... Je sais pas non plus. Donc les défenses sont à 50%, c'est grâce au Vanguard, ça nous servira pas trop dans le contexte. Bon bah ils sont bien en ligne droite, on va bien pouvoir tous les identifier d'un coup. Ça va faire une belle brochette quoi. Avec un peu de chance, il va s'accrocher. Il s'est accroché. Du coup il charge. Très très bien. Ils vont tout droit quoi, ils vont droit sur moi. Donc Ouais, je vais changer de direction un peu. Les gars, en deuxième ligne. En fait, il y a plein de petits raiders et un croiseur de combat. Une belle gueule de croiseur de combat, franchement. Bah, il faut avouer qu'ils sont quand même classe en tous ces vaisseaux. Il a pas l'air d'avoir trop d'escadrilles pour le coup. Ouais, le croiseur de combat, j'avoue qu'il est classe. Bon, je leur ai envoyé quelques petites escadrilles dans la tronche, même si je m'attends pas à ce qu'elles arrivent très très loin. Oula, c'était un escorteur qui se faisait buter ça, non? Ouais.
Tu t'en te foncer dans des... Putain, c'est le bordel là. Rien ce qui se passe. Toi, t'es un peu tout seul dans la bataille quoi. Qu'est-ce que tu fous? Rechargement. Dépioter mon... Ils font quand même vachement moins mal que les Zelda hein. Attention, ouais, on va se rentrer dedans là. Hop, toi tu vas par ici. Un petit tentacule de nutrition sur sa tronche, ça lui fera du bien. Ouais, c'est ouf la quantité de dégâts qu'ils font par rapport aux Zelda quoi. Impressionnant. Mutinerie, de toute façon tu vas crever, donc tu peux bien te mutiner, on s'en fout. Donc là ils se mettent en mode on tourne et on s'éclate. Je peux plus m'approcher assez pour leur faire un assaut, c'est dommage, mais je peux quand même. Allez 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 allez, t'es dedans là non? T'es pas dedans? Ah t'es dedans là, ok parfait. Toi, charge, remets ton bouclier en place. Rechargement. C'est cool, ils essayent de tirer à travers les structures là et du coup ça passe pas. Toi, par là-bas, dans le trou là. Fais-nous donc des petits assauts. Petites tentacules de nutrition. Toi, contente ces saloperies par contre. Par contre ça n'arrête pas nos tentacules et ça c'est plutôt cool. On lui a collé quelques bons gros tentacules aux fesses. Aïe. Je vais merder là. Merde, dégagez-vous les gars. Un petit peu merdouillé. Je vais mettre le dernier, je vais faire un assaut dessus, celui qui reste deux là. Ok, je te laisse, voilà. Si j'arrive à faire demi-tour, arrive, éloigne-toi. Il est où mon vaisseau là? C'est lequel le mien? C'est celui-là. Non, pas ça. Fais ça. Qu'est-ce que tu fais? Il me charge dessus. J'ai pas le choix, il a... il a commencé un autodestruction du coup. Ah oui. Barré. Je comprends, voilà, on va mettre le bouclier invincible histoire de tenir un peu mieux temporairement. Alors balancer quelques petits tentacules de nutrition dans la tronche. Ah le con, putain il m'a chargé. Ah non, il y a quelqu'un qui l'a attiré vers moi. C'est possible, c'est à moi. Si. Putain, le vaisseau amiral il commence à souffrir. Oh, ça marche pas trop mal hein, la stratégie des tentacules quand même. Mmh. C'est un peu moins fun que charger dans le tas, mais. T'es un peu proche, toi, mon gars. Oui, toi. Ok. Alors, par contre.
On n'a pas de points, donc il va falloir qu'on se les fasse là, les tourelles pour le coup. Là. On va se réorganiser un petit peu. Ouais, je me remets un peu en ligne. Bon bah ça s'est pas trop mal placé. Bon en fait c'est vraiment les Eldar qui nous posent problème. Hein. Ouais, ouais. Là on a tellement pas souffert quoi. Enfin moi j'ai pris des dégâts parce que voilà je me suis pris des jetons pour pas un rond quoi. D'ailleurs je pense que j'ai peut-être resté loin du combat pour finir. Bah ouais avec un là avec. Surtout que c'est le vaisseau amiral donc si je le sors de la map il va ça va foutre des vieux dommages de morale. Mais sinon franchement on a rien pris quoi. Vache. Tant mieux mais. Ça veut vraiment dire que les Eldar soit sont overcheatés, soit sont vraiment très très bons contre les Tyranides. Oh merde. Je pensais pas. Bon, les petits drones à l'arrière, toujours qui galèrent, pas de soucis. Ouais, ouais, c'est ça. Alors c'est censé être les petits rapides, quoi. C'est ça. Pourquoi je peux pas envoyer mes vaisseaux hein? Ils sont grisés, c'est bizarre. Bah en fait les drones ils sont vraiment... Wouah la vache! Cette distance de tir quoi. Bah, je suis même pas encore dans le... On reconnaît bien le chaos quoi. Ouais. Et c'est quoi les vaisseaux qui se baladent là? C'est à nous? C'est une compétence qui a été utilisée, c'était... Ouais, c'est... Bah ouais, mais ils viennent d'où? Parce que c'est pas les miens, a priori, c'est bizarre. Si t'as des essaims harpies à balancer, faut les mettre sur trajectoire d'interruption. Ouais. Ouais, hop, je vais les envoyer là. Parfait, vous a... Revenez les gars. Celui-là n'est pas à moi. Alors est-ce que je vais bientôt peut-être pouvoir envoyer un petit tentacule de nutrition sur la station là? On va dire de viser les... La forteresse en premier. Hop là. Bon gros tentacule bien dégueulasse. Faisons un petit tour. Vu qu'ils ont un petit peu plus de vaisseaux, on va leur envoyer un essaim d'assaut là. T'as un escorteur qui est à l'arrière qui fait rien. Si jamais... Ok, trois structures de défense. Il n'en reste plus que ce con du coup. Bah écoute, toi tu vas t'arrêter là, puis tu vas tirer. Merde, j'ai pris un coup critique. J'ai l'impression que toutes mes armes ont été détruites sur mon vaisseau là. Je peux plus rien faire d'autre que des tentacules, c'est un peu la tristesse. Enfin, cela dit, ouais, non, c'est parce que j'ai des vaisseaux et. J'ai mes tentacules et mes...
Et mes escadrilles, je peux rien faire de plus en fait. C'est un peu dommage. Attention, tu t'approches beaucoup là. Allez, elle va peut-être faire mal en explosant elle. Je m'éloigne. Quand elle explose, elle avait 12 assauts sur la tronche, la fantôme. Ok, bah ça s'est pas si mal passé. Et c'est vrai qu'en fait c'est perturbant, hein. Les croiseurs de combat que j'ai pris là, qui ont juste la tentacule et les escadrilles, du coup ils ont aucune autre arme. Donc quand les tentacules et les escadrilles au char, ils font rien. Ça fait bizarre. Bon bah on va pouvoir se remettre et aller attaquer cette... faire cette mission spéciale. Alors on a perdu quoi? Une petite merde, ok. Franchement ça va, hein, la vache. C'est vraiment les Eldar qui font mal, hein, mais alors ici y'a quoi? Des bancs de krill plasmique. Ouais bon, on va faire un truc qui ramène 10 partout, hein, je pense. Il faut encore qu'une flotte soit stationnée en tempête accablante, quoi. Ouais, mais pour 40 partout, on va peut-être pas se faire chier par contre. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ok. Donc du coup... une flotte à 600 là... une flotte à 500 ici qui se répare, ok, très bien. Donc il y a les orques qui se pointent, mais au pire on pourra les retarder un peu. Ouais, bah on peut faire un nuage de sport si besoin. Si besoin. On a quoi d'ailleurs, ouais, là. Ah, on a juste un bassin de valorisation. Ouais, d'ailleurs ici aussi il y a 80 dans Ashimalomas là. Ouais. Ok, bon bah je crois qu'on peut passer le tour, hein. Yep. Et hop. Ah, ici il va pouvoir commencer à faire des flottes. Très bien. Ici on fait une troisième, mais apparemment il attaque pas. Ok. Donc on dévore tempête accablante, mais ça nous donne pas de points. Et on dévore Arias Major, mais ça nous donne pas de points. On se replie sur Arias Major pour se réparer peut-être. Ou Ah ouais, mais non, mais elle arrive dans un tour la flotte sur Elord là. Peut-être qu'on y aille du coup. On a deux points, donc ça veut dire que je peux reprendre un Biogriffu. Voilà, un petit Biogriffu à la bise de calotte, en voilà. C'est un dévoreur ça, il a des. Ouais, il a des pinces de carnassier. Tu m'entends, Katox? Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entendais plus, on les savait couper. J'avais plus grand chose à dire. Bah on peut envoyer la flotte qui est encore en état directement à Elord et on aura quand même trois flottes prêtes à gérer. Ouais, je pense que... ouais. L'Imperium, on devrait pouvoir le gérer, je pense. De toute façon, faut faire la quête. Tu peux bouger celle qui est à 300, un peu plus loin, et remonter celle qui est à 600 sur, dans Nemesis Tessera, là. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait une qui était prête là. Et tu peux directement la faire arriver là où il faut. Bah écoute, toi t'as qu'à aller là en attendant pour avoir le bonus de 40, ça sera toujours ça, 40 de prix. Et toi, du coup, tu vas ici. Alors après, est-ce qu'on se fait la quête ou est-ce qu'on attend que l'Imperium se pointe? Bah il se pointe dans un ou deux tours, c'est ça? Dans un tour, ouais. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Bah, franchement, on peut
faire la quête et puis replier tous nos trucs à Belial 4. Pour laisser le... Bah non, on n'a pas possible, on a zéro. Bah à Arias Mayor. Vu qu'il y a un réparateur là. Ouais, mais on aura zéro de mouvement. Enfin, après on peut faire la quête, voir, ça se trouve on va les écraser, hein. Et si jamais sinon on laisse l'Imperium, hein. Ouais, ou on augmente le délai. Bah ouais, en même temps on n'est pas un tour près parce qu'on sait qu'une fois qu'on aura terminé ça, ça va probablement nous rebaisser notre niveau d'urgence et tout. Donc, ouais. On est vraiment pas un tour près, quoi. On peut même se mettre des spores mines histoire de... Ça va peut-être augmenter le délai automatiquement. J'ai essayé, tiens. Ouais, bah tu vois, c'est passé à deux tours. Ah bah parfait. Bon, on fait la quête. Ouais. Allez, c'est parti. Ah, quoique j'ai pas fait gaffe, mais l'épisode est beaucoup trop long. Du coup, on va la faire la prochaine fois. On va s'arrêter là pour cet épisode. Cliffhanger de fou. La prochaine fois, on affronte des Zeldar. Vous savez qu'on aime ça. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt. Salut.